could blame it on the physical. I could blame it on your lips, your touch, your kiss, you know, real traditional. But your love's too original. You were anything but conventional. Baby, did you know that? Tu dois certainement te demander où je vais si tôt le matin. Je t'explique tout. Vous vous rappelez de mon anniversaire surprise ? Cette petite demoiselle est venue et tout et tout. Et puis le jour de son départ, le matin très tôt, eh bien elle a oublié quelque chose. Vous la voyez avec son visage innocent ? Elle a oublié son sac à main à la maison, ok ? Ça veut dire que forcément on doit se voir très bientôt. Et ça, je suis sûre qu'elle s'est dit, vas-y, j'oublie mon sac. Même si ça m'embête tout ça, mais elle sera obligée de me le ramener. Comme ça, on se voit bientôt. Parce qu'elle devait se dire trop, on se voit tous les 10 ans. Vas-y, j'oublie un truc comme ça. On se voit plus tôt. Et c'est ce qu'elle a fait. Je suis sûre qu'elle avait tout manigancé depuis le début. Et du coup, me voilà en train de prendre le train pour aller la rejoindre dans sa petite ville. Donc, let's go. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et puis, à tout de suite pour la suite du vlog. Déjà, il y a cette fille là qui m'a agressée. Je rigole. Et du coup, on va se faire une petite salade. Sandwich pour toi, c'est ça? Ouais. Panini, poulet, kebab. Boisson. Ça, c'est pour elle. Ça, c'est pour moi. I love it. Fanatique de glycine. Hein? C'est mignon, ça fait un petit village. On a fait des petites courses. Pardon, mais. On a fait des petites courses pour aujourd'hui. Et regardez, il est pas lâché. Il est pas lâché. Pas lâché. On n'arrive pas. Pâtes, tu mets où tes pâtes? En haut. Ici? Tu les laisses dans le paquet? Oui. Ah, bah, comme, le paquet, comme j'ai vu le petit bocal. Je demande. Ouais, c'est quand le bocal est entamé, du coup là je. Hey, du poulet! Parce qu'il y a toujours du poulet dans la vie. Les gens qui grandissent, ça. On est au troisième étage. Je dois me taper les escaliers. Tell me what you say now. Tell me what you say. You said that you would come again. You said that we would remain friends, but
You know that I do not depend on nothing or no one. So why would you show up so uninvited? Just change my mind like that. Please don't take this personal. But you ain't shit. You weren't special till I made you so. You better act like you know that I've been through worse to you. Should've figured though, all the shit you was spitting so unoriginal. But it was you, so I was with it. Then I tell you, t'as vu la vidéo de où je faisais la vidéo des 30 ans? Eh ben je suis allée à un endroit, j'allais m'asseoir sur un banc. Le gars voit que je voulais utiliser le banc, tu vois. Le gars était sur le banc. Il a été sur le banc. Comme par hasard. Sans combine. Il m'a vu. J'étais debout avec mon truc. Il m'a vu m'arrêter devant le banc. Installer tout le matériel prêt à filmer le banc. Mais c'est lui qui voit. C'est assez. T'es dit bon. Ok. Je vais chercher un autre. C'est pas grave. Ah. C'est mignon. On en parle de ces petites oreilles. J'ai un problème avec les petites oreilles. T'as pas les petites oreilles? Arrête, on va vraiment finir par penser que t'es folle. Mais. Tu filmes. Oui. Okay. J'ai fait une petite bonjour okay. Du deuxième jour et. Bonjour. Voilà. Maintenant, on dirait la douceur incarnée, c'est pas le cas, les gars, c'est pas le cas. C'est le cas, je suis très douce dans ma façon d'être. Je suis très gentille et agréable. Electra vient d'être traumatisée, elle a pas compris, elle s'est fait porter sans raison. Mais c'est pas sans raison, si tu veux qu'elle soit sur le blog. Bonjour. Regarde, c'est voilà, mon toutou. Voilà. Regarde, c'est mon toutou. Voilà, vous avez vu Electra. Elle est là, elle aussi. Oui, moi aussi. Vous voyez comment on me parle. Je me sens agressée. Alors, je suis là, je me dis, je vais lui donner un petit coup de main. Elle veut pas. Elle veut pas. Elle n'est pas bonne que tu t'as fait tout le monde. Elle m'agresse. Bref, les gens, aujourd'hui, on était censé faire des trucs quand même ce matin, mais il pleut. En fait, je sais pas, le temps a attendu que j'arrive, parce qu'en soi, hier, la semaine dernière, il faisait beau. Il a attendu que ce soit cette semaine pour faire moche. Mais pas un petit moche, un moche avec de la pluie surtout. C'est ça qui est surtout nul. Parce qu'encore, il fait froid. Bon, tu te dis, tu te couvres, il y a moyen de moyenner. On descend dans les sols. Mais avec de la pluie, c'est moins fun.
Donc voilà. Et le pire, c'est qu'on s'est réveillé, il ne pleuvait pas. Même pas 2 minutes après qu'on se réveille, la pluie a commencé à tomber. J'avoue. Donc, vraiment foutage de gueule. La pluie nous a attendu pour commencer à tomber. Du foutage de gueule. Moi, je pense que la nature est méchante. Elle est contre nous. Alors que je suis bio, j'aime bien faire des trucs bio, justement pour la nature, et puis c'est comme ça qu'elle me remercie. Et bien maintenant, je vais utiliser du pétrole. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas prévu grand chose parce que il pleut, il fait moche dehors. Du coup, je pense pas que j'allais sortir cet après-midi, et ma copine sera en train de travailler. Du coup, moi, je me suis mis en tenue tranquille, tranquille, t'as vu? Et du coup, je vais me taper des montages, je vais peut-être dessiner et faut que je bosse aussi sur la prochaine vidéo de dimanche. Je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà. De toute façon, vous allez voir ce que je trafique chez ma copine si je fous le bordel ou pas pour son absence. Mais c'est pas mon genre. En vrai, elle est en train de me regarder là-bas en mode tu fais quoi, wesh. Elle était menaçante, elle était menaçante. Tu vas faire des bêtises chez moi là. Mais c'est sûr que tu vas faire des bêtises chez moi. C'est pas mon genre, arrête. Coucou. Bien les gars, je suis posée là. Je vais mettre un peu plus de temps quand je fais des salles là. Yes, j'ai des Pringles en ravitaillement. Du coup, je vais me poser là, je vais m'occuper du montage, j'ai déjà commencé. C'est un peu plus chiant clairement de faire ça sur la tablette. Mais j'avais pas envie d'amener tout mon matos, donc on va gérer ici au calme sur la tablette. Et ma pote m'a passé ses écouteurs, donc je pense que je vais les utiliser. Faut juste que je fasse le jumelage, je l'ai pas encore fait. Au début je voulais le faire sur mon téléphone, mais inutile vu que c'est là que je fais le montage, je vais le faire plutôt sur la tablette. Ok, ça fonctionne, on va monter un petit peu le son. Et on va commencer à bosser. Bon, je commence à bosser sérieusement. Maintenant que j'ai les écouteurs, que tout est opérationnel, je m'y mets. Allez, à tout à l'heure. Guys, l'heure elle passe trop trop vite, il est déjà peut-être 19h, il est 19h, 19h10, un truc comme ça, et c'est maintenant que je sors de ma grotte. Ma copine revient dans à peu près une heure, une cinquantaine de minutes, genre. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller préparer la salade que j'étais censée manger cet après-midi. Et voilà, on va manger ça ce soir, donc salade... omelette et tout, on va s'occuper de ça tout de suite parce que l'heure passe trop vite en fait. Et on a la petite Lélé qui est là toute calme. Regardez-moi cette demoiselle. Allez, je me mets à faire mes préparations. Hein. Focus on me, baby, can you 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 focus on me, baby
Guys, c'est pas je me rends compte tout à l'heure là que j'ai oublié de vous filmer la salade et tout. Alors qu'en plus on avait bien présenté le truc et tout, c'était trop stylé. Mais j'ai oublié de vous filmer le rendu. Donc tant pis. Là en soi, il est 1h du matin. On ne s'arrange pas, on dort tard. Mais on rigole bien. On est là tranquille, au calme, on rigole bien. Là je vais me poser, on va certainement pas tarder à dormir ou on va encore papoter pendant des heures, à voir, mais voilà. Bon, moi je vous dis à demain, tchuss. Bonjour. Bonjour tout le monde. On est le deuxième jour, non le coup le troisième jour, hein. Ouais, troisième jour, parce que je suis arrivée l'autre jour, là. Bref, on est mercredi. Je viens de faire sortir, de faire sauter la fille du lit, parce que j'ai sorti mon téléphone pour dire qu'elle voulait pas se lever. Et donc, après, par la suite, m'accuser de ne pas me lever le matin. Du coup, elle a sauté du lit, plutôt. Bref. Du coup... Qu'allez faire, Walda, oui. Du coup, on va aller manger un truc vite fait, là. Et après, on va sortir faire un tour dehors. Je suis réveillée. Je suis réveillée. Je t'ai pas fait mal. Regardez-moi cette mignonne petite fille. Elle est en train d'attendre, sache-moi, assise en bas des escaliers. On a l'impression qu'elle m'attend, mais c'est pas moi qu'elle attend du tout. Du tout. Mais... Come back at 6, wake me and your child. And then won't lay today. Make me wonder who you might have been playing with. Makes me wonder who you think you're playing with. I'm just on myself to keep playing this. Make her back over and over again. Sweat change, but I know this the end. I want you on scene. Think you know your girl's so funny to me. That's why you didn't go left by one. Got tired of your shit, you almost threw my mind. Don't say your name. You'll continue to try to play this game. Il y a la vie, c'est le violet derrière. Le violet, c'est pas trop. Regarde, il fait froid. J'ai parlé comme s'il y avait une voiture, je sais pas si vous avez entendu un truc. Mais il fait froid. Ah ouais? C'est nul. Ah Philippe, pourquoi le temps il est comme ça quand je viens en fait? C'est un peu de méchanceté là quand même. C'est méchant. Après il y a un proverbe qui dit en avril ne découvre pas d'avril. Mmh. Je comprends bien pourquoi. Là vous. Du coup on fait notre petite balade. Avec Electra. Come back six, wake me and your child. And then won't lay today. Make me wonder who you might have been playing with. Makes me wonder who you think you're playing with. I'm just on myself to keep playing this. Make her back over and over again. Sweat change, but I know this the end. I want you on scene. Think you know your girl's so funny to me. You didn't go left by one last time. Got tired of your shit, you almost threw my mind. Don't say your name. You'll continue to try to play these games. Leave your family in the cold and rain. And I don't think you'll ever change your ways. Cause a house is not a home where no one stays. So alone, no one. La fille qui m'abandonne. Je vais au travail. Tu m'abandonnes. Elle m'abandonne avec Electra. Regardez-la. Ça va. Tout à l'heure, ça va être bien. Guys, je vous ai pas trop montré ce que je faisais, tout simplement parce que c'était identique à hier.
Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger mes affaires. Ensuite, je vais descendre. On va commencer à préparer le repas. Mais là, je vais commencer à ranger mes affaires parce que demain, on va à Toulouse. On va finir mon séjour à Toulouse. Du coup, je vais ranger mes affaires. Et comme ça, ce sera cool. Et j'aurai rien à faire demain matin ou presque, à part les derniers petits détails. Donc, je vais m'occuper de ça tout de suite. Ça, c'est le vêtement que je vais mettre. Je vais garder le même. La ville dans laquelle j'étais, c'était Pamiers, et c'est une petite ville. Ça fait vraiment ville qu'on est dans laquelle les gens viennent juste pour dormir et ils travaillent certainement autour à une heure ou ce genre de choses. Du coup, c'était très très calme. Et pendant ce petit temps, moi, je me suis pas ennuyée, tout simplement parce que j'étais entourée de ma pote et que on rigolait bien ensemble en fait. Et ça, des fois, bah, on oublie de se dire qu'il faut savoir apprécier les choses simples. Parce que bah, c'est ça, en fait, qui fait tout. Être accompagné des bonnes personnes. On s'est fait de bons petits plats durant mon séjour. On a regardé des séries sur Netflix. On a bien rigolé. On s'est même fait des sessions musique où on dansait. Et voilà, c'était vachement cool. Et pourtant, bah, il n'y avait rien de spécial à l'extérieur. Mais c'était cool. On a un sale temps, les gars. C'est malade. Derniers instants en parmi eux. Et il pleut comme jamais. Ma pote, elle est trop mignonne. Sachant que j'aime pas les escaliers, et ben en fait, elle m'attend à chaque fin d'escalier ou début de marche. C'est ce qu'elle faisait là en fait. C'est pour ça que je vous ai filmé. Viens ! Coucou ! On est le dernier jour aujourd'hui de mon séjour. On est le jeudi. Et du coup là, on va à Toulouse. Je prends mon train ce soir vers 17h à peu près. Et là du coup, pourquoi on va à Toulouse ? Parce qu'on a vu un restaurant thaï qui avait l'air trop trop bon et que l'on veut tester. Oh, la fille à côté, c'est pas croyable. Et celle-là, je la garde, je te jure. Non, si, non. Si, si. Et du coup, on va dans ce restaurant thaï parce qu'il avait l'air trop bon. On va tester ça là-bas. Et après, pour le reste de la journée, je sais pas encore ce que l'on fait, mais on verra, ok, on verra. Et puis voilà, on est là pour une heure, enfin moins d'une heure de trajet, je crois, 45 minutes maintenant. Et voilà. Ouais. Et il a l'air de faire plus beau ici qu'à Pamiers quand même. Je sais pas si t'as vu, soleil, champ, ouais, le soleil, champ de fleurs jaunes. Champ de fleurs, je regardais les fleurs, les gars. Voilà, si quelqu'un sait ce que c'est comme un champ, n'hésitez pas dans les commentaires, on est là, on veut savoir. J'avoue, je connais pas, je vois souvent ces fleurs quand je prends le train ou selon certains endroits où je vais, les longs trajets, tu vois ces plantes là, mais je sais pas c'est quoi le nom. C'est des petites fleurs jaunes, pour préciser, je sais pas si on va bien voir sur les vidéos, mais en gros ce sont des petites fleurs jaunes et quand on ouvre la fenêtre ça pue, on le sent pas parce qu'on a la fenêtre fermée parce que il fait froid. Mais ça pue. C'est un champ de fleurs jaunes très joli qui pue. Si vous savez ce que c'est,
Je kiffe la description. Bref. Donc, si vous avez le nom, les gars, dites-le nous en commentaire. Ouais. Bien, les gens. On est là, on était là bien, tranquille, au KLM, tu vois, sans problème. Et en fait, elle a débarqué et puis elle m'a dit « Ouais, j'ai envie de lancer un débat. » Oui, oui. Alors, je vous explique. On a un débat avec Estelle depuis un petit moment. Elle, elle est team iPhone. Je pense que vous avez vu avec son iPad, elle fait tout, ses dessins, machin. Et moi, je suis team Samsung parce que, ben, faut pas se mentir, les composants de iPhone, ça vient de Samsung. Hein. Qualité vidéo, les images, le son, c'est Samsung. On va pas se mentir, iPhone ne fait que copier ou acheter auprès de Samsung. Alors, dites-moi si vous préférez cette qualité de vidéo-là, parce qu'on filme avec mon téléphone, ou celle de Tete, du coup. Ouais, Tete, c'est moi qui l'appelle Tete, vous l'appelez pas Tete. Alors, les gens, vous voyez, on est là bien, elle cherche déjà les problèmes. Je cherche pas. Sachant que moi, j'ai aucun problème avec Samsung. J'ai aucun problème avec le fait que iPhone utilise les composants de Samsung. Voilà, tu as tout simplement parce qu'ils font quelque chose avec d'incroyable. Voilà. Qu'est-ce qu'elle me fait? Elle veut me tuer ou quoi? Non, non, mais il y a un radar. Il y avait un radar, désolé. Pardon, pour ce coup de frais. J'aime pas les flashs. On rigole, je rigole, c'est pas grave, t'inquiète. Donc, tu peux faire une petite mise au point avec caméra arrière, montrer le paysage, comme la qualité de la vidéo est magnifique avec Samsung. Tandis que iPhone, c'est toujours copié, jamais égalé, vous savez, vous connaissez. Chacun ses goûts, parce que j'ai regardé des trucs et j'avais fait une comparatif vidéo avec Samsung, iPhone, et je regarde souvent des comparatifs comme ça parce que je regarde de tout. Et il y a un truc que j'aime pas chez Samsung et qu'ils aiment beaucoup faire. C'est abuser sur les bleus. D'où le bleu? De quoi le bleu? Ils abusent sur les bleus. Le ciel bleu, c'est abusé. Frère, des fois c'est trop. Des fois c'est trop. Mais montre le ciel. Moi j'aime le côté naturel. C'est bon, on va le faire. Je vais faire une comparatif. Tu te calmes. Thank you. On va croire que je suis agressive alors que je suis toute douce. En vrai, je suis douce comme le velours. Qui c'est Carmen? Pardon, je vais vous le dire en français. Pourquoi elle ment? Je suis douce, moi. Je suis douce. Arrête de mentir auprès des gens, je suis douce. Dites-moi en commentaire si vous la croyez, si vous croyez vraiment qu'elle est douce. Je veux savoir. Les gens vont dire, ah, mais on l'a pas touchée. Bref, coupe ça. J'espère que tu vas la couper. Il y a des moments, faut vraiment pas m'écouter. C'est dans la boîte. Pardon. Bon, on va passer au comparatif vidéo et tout ça. Là, c'était la caméra avant de son téléphone. Sachez que quand j'ai filmé tout à l'heure, c'était la caméra avant de mon téléphone. Là, on va faire caméra arrière avec paysage de chacun des téléphones. Voili, voilou. On clôt le sujet ici. On vous attend en commentaire. Donnez-nous votre avis. So, let's go. Just fuck the
your main bitch. That's just how I feel. Just how I feel. Just now. Hey, Dolomite, say fuck them niggas that you game with. That's just how I feel. Just how I feel. Just now. Hey, Dolomite, just make that lane switch. That's just how I feel. Just how I feel. Just now. Hey, Dolomite, turn to a million and we all rich. That's just how I feel. Just how I feel. We break the code. No way, hit the brakes when they on patrol. No way, be the last one out to get the stove. No way, not one of you fucking head hoes. No way. Me and my niggas tryna get it, you bitch. Yeah, bitch. Hit that house, yeah, they tell me is you with it, you bitch. Yeah, bitch. Home invasion was persuasive. What's persuasive? What's persuasive? From 9 to 5, I know it's vacant, you bitch. Yeah, bitch. Est-ce que c'est pas de la trahison? Le soleil qui arrive le jour où je pars. Il fait super beau, ça donne envie de se promener, il fait bon. Pas trop chaud, pas trop froid. Vous voyez le beau temps qu'il y a derrière. Ouais, tu vois le beau soleil bleu, le ciel bleu là. Pas le soleil, le ciel. Yeah, bitch. Park the car, then we start rhyming, yeah, bitch. Yeah, bitch. The only yeah, bitch. Thing we had to free our mind. Free our mind. Free then freeze that verse when we see dollar signs. C'est le départ. Une minute, le train, il arrive. Pas le train. Le métro, il arrive. Et oui, c'est le grand départ. Je suis en train de la maison. Et comme par hasard, il fait beau quand tu pars. Frère, hein? Je suis dégoûtée. Et est-ce que vous avez vu, les métros toulousains sont sécurisés, pas de possibilité de suicide. Ouais. Allez, qu'elle fasse ça. Je dis ça, voilà. Allez, qu'elle fasse ça. C'est pour ça que je te mets un peu sur les côtés, qu'on voit bien le design et la sécurité de Toulouse. A lifestyle that we never knew. We never knew. Go at a revenue for the revenue. Holly Berry or Hollywood. Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shoe. But the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun forever. And I've been hustling all day. This a way, that a way. Duking those and alleyways. Just the same. Money trees is the perfect place for shading. That's just how I feel. Just how I feel. Just how I feel. Ain't dollar much as fuck your name. Just how I feel. Hello. Bientôt. Il y en a, ils courent vraiment à la dernière minute. Il y a des gens qui courent, je ne sais pas ceux qui prennent le temps. Bah j'avoue, les portes, on n'a pas tardé à fermer depuis tout à l'heure, ils le disent. Voie 10. Je pense qu'il y a 3 annonces au cas où. 875. À destination de Lyon-Pardieu, partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Il y a un monsieur qui a raté son train. Ah, dommage. Parce qu'il vient juste de partir. De toute façon, c'est déjà écrit le bon truc sur la porte. La vie, c'est bien la voie 10. Oui. C'est pas le train en face. Merde. C'était pas grave. Mais grave. Franchement, t'as le temps avant que le train de la porte se ferme, là, dis-vous. J'avoue, là, ça fait 3 ou 4 fois qu'ils le disent. Attention au départ. Oui. Grave. Bon, après, peut-être qu'ils vont fermer en mode sauvage et t'auras pas le temps de dire bye bye. Ça sera fermé. Non, je pense que c'était pour les gens qui couraient, ils ont pas fermé. Ça va partir. Bisous. Moi aussi. Ça me coûte si. Avant la fermeture. À bientôt. Bye. Comment ça, c'est un bug.
La fille, c'est pas moi. La fille, je touche pas la porte. C'est pas moi. Je touche pas la porte. C'est pas moi. Jusqu'au bout, elle se tape des délires. Là. Bye. Et voilà, guys, ce vlog est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je retourne à Lyon et on se revoit là-bas. Ah oui, et on voulait pas finir sur une note désastreuse par rapport au dessert. Du coup, on s'est pris un petit dessert à la banane. Il était super bon, je recommande.